89% de réussite au premier tour, des élèves ravis, nous aussi, 9% qui vont à l'oral. C'est un beau moment aussi parce que cette année, on a Lola, qui est donc malvoyante et qui est avec nous scolarisée depuis la 6e au collège de Vestric et qui vient de réussir son bac et mention bien. Donc, on cumule les deux, quoi. L'accueil des jeunes en situation de handicap et en même temps, la réussite pour tous. Je suis vraiment super contente. J'ai eu un bac à 3 avec mon AVS et les nonnes aussi, il ne faut pas l'oublier. Et les deux m'ont été d'un très grand soutien. Je vais aller à l'université de Nîmes en licence d'espagnol. C'est le passage d'un truc, vraiment, je me sens tout nouveau, c'est incroyable. Je dois dire au revoir à tout ça, c'est depuis la 6e je suis ici, donc ça fait un peu longtemps. Mais voilà, c'est à la fois beau et à la fois je suis content de quitter parce que ça veut dire que j'ai réussi. Je suis une race maman qui est sur un nuage. On avait décidé de ne pas regarder les résultats sur Parcoursup mais de venir ici. C'est une mention très bien, voilà. Fortement attendue mais on ne sait jamais, donc voilà. Là, on l'a. Enfin, il l'a. Moi, un peu aussi. Ça fait plaisir. Hein. C'est, comme je disais, c'est l'accomplissement du travail. Un peu de nostalgie, mais hâte de la suite quand même. Parce que la vie n'est pas finie. Il y a plein d'autres choses à faire après. On est quasiment tous admis dans ma classe, avec soit pas de mention, soit des bonnes mentions aussi. Donc, très fier d'eux et j'espère qu'on se reverra aussi. Bravo à tous les enseignants, à tous les directeurs, à tout le personnel qui a œuvré pour que ces jeunes puissent réussir. Je leur souhaite à tous une très très belle réussite dans leur vie.